Dans ce contexte, la dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques devra se poursuivre en privilégiant le recours aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le financement des projets. Je demande aux membres du gouvernement d'œuvrer à l'amélioration du décaissement des ressources mises à disposition par les partenaires techniques et financiers. Je vous demande aussi de poursuivre et de mettre l'accent sur la consolidation des réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques et d'amélioration des recettes de l'État. Une attention particulière devra être apportée à la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État, et c'est ce qui explique la création d'un département spécifique à cet objet, pour que les entreprises publiques soient gérées selon les règles de bonne gouvernance, afin d'être plus compétitives dans leur secteur respectifs.